Shalom Ouvracha, Eliyahu Hanavi. Aïe, vous savez quoi, grâce en vous, j'en rêve de Eliyahu Hanavi. J'arrête pas de penser, de réfléchir. Je veux, il y a des papas qui m'ont dit, mais Rav, mais qu'est-ce qu'on kiffe. Allez vite, une autre histoire, une histoire vraie. Alors d'un seul coup, je me rappelle que moi aussi j'ai une histoire. Alors écoutez bien ça, on se trouve en juin 2017. À Jérusalem. Et on a reçu un terrain pour construire un grand centre. On n'a plus de place où on étudie, où on a l'école, où on fait nos activités de recette, de bondé pour aider les pauvres. On explose, on n'a plus de place. Alors des fois, je suis obligé de demander aux gens de sortir. Excusez-moi, j'ai plus de place. Là, maintenant, où je vous parle, j'ai une cinquantaine de jeunes qui sont assis en train d'étudier et en train de jouer. Et je ne sais plus où les mettre. Donc alors, je demande aux adultes de sortir pour recevoir les plus jeunes. Alors voilà, on a reçu, on va commencer à construire. La mairie, elle me dit, on vous donne un an. Un an pour construire. Vous n'avez pas construit, on vous enlève le terrain. Bon, d'accord. Voilà que le 29 juin, mon architecte il me dit, voilà, tout est prêt, ça y est, on peut déjà commencer à demander au constructeur, en hébreu on dit le kablan, d'accord, de construire le nouveau centre, d'accord, pour des Français, des Parisiens, des Marseillais, pour des Israéliens. Ils attendent tout ça. Je dis, ben alors on y va. Il me dit, non. On ne peut pas encore démarrer. Il manque encore. Il faut payer une taxe. Une taxe de l'État. J'ai bien d'accord. Mais c'est combien? Ben c'est 350 000 shekels. Ben d'accord, je vais aller, si Dieu veut, en France et en Amérique. Et puis je vais ramasser, vous inquiétez pas. Alors il me dit, non, vous n'avez pas compris, Rav. On est le 29 juin. Si le 4 juillet, on n'a pas payé, on perd le terrain. C'est quoi? Il m'a dit oui. Bon, il n'y a pas de problème. J'appelle un ami qui m'a dit, écoute-moi bien, Ravatelli, je te connais. Quand si jamais tu as besoin d'un coup de main fort, appelle-moi, je suis là. Alors, j'appelle, allô, mon cher Ilan. Oui, en quoi je peux t'aider, Rav? Il me dit, regarde, j'ai besoin de 350 000 shekels. Tout de suite. Il me dit, Rav, je t'aurais bien été avec joie. Mais juste ce mois-ci, j'ai acheté 10 appartements à Jérusalem. Donc c'est la première fois de ma vie que je suis en débit. Donc je ne peux pas. Alors je rappelle un deuxième copain. Et il me dit, non, excuse-moi, Rav. Tu as vu, quand tu m'as appelé la dernière fois, je t'ai aidé. Mais là, ce n'est pas possible. Alors je prends un billet pour partir en Amérique. Mais j'ai dit, bon, je vais partir. Le premier jour que j'atterris, je trouve l'argent, je vous envoie l'argent. Et puis j'appelle en Amérique, on me dit, mais 29 juin, ils sont en vacances, les gens. Ça y est. New York, c'est presque vide, il fait chaud. Alors l'architecte, il me dit, mais alors tout mon travail pour rien? Et là, je baisse la tête et je suis désespéré. C'est pas de moi, mais là, c'est trop dur. Et je marche, je vais à l'école. Je vais à l'école et c'était un vendredi matin. Et je suis pas souriant. Et il y a un prof qui me dit, Ravatelli, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, rien. Il me dit, vous savez, tout le temps, vous nous dites la force des enfants, la force de la prière des enfants. Alors venez, on va prier. Alors j'écoutais, il me faut dans les 4 jours 350 000 shekels. Alors je rentre dans la classe et je vois tous les enfants comme ça en train de dire « Allez, on prie pour le Ravatelli. Shir la malot, esaena yele ari, meaïniavo ezri. » Ouai, je vois ces enfants, je vois leur sourire. J'en vois leur prière comme ça qui monte au ciel. Et je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer parce que bon, ben, un an de travail, d'accord, qui s'en va en l'air. Et le Rav, il dit, Miché Bérard. Et je réponds, Amen.
Je serais pas en même parce que j'ai la Emouna dans mon petit coin de mon cœur comme ça. Je veux pas craquer, pas dire ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien. Mais j'y crois à 10%. C'est même pas que j'y crois pas, Chas v'Shalom. C'est que je suis tellement fatigué, tellement déçu que j'ai même pas le temps de penser. Je réponds Amen. Et là, je monte les escaliers de l'immeuble en sortant de l'école. Et l'étage d'au-dessus, il y a une petite fête. Il est 11h du matin, vendredi. Et là, il y a une personne de 80 ans qui est dans les escaliers. Il n'est pas dans la fête, il se trouve dehors. Mais il ne fume pas, il n'y a aucune raison qu'il doit être là. Et là, il me dit, vous vous appelez Rav Attali ? Je dis, oui, je m'appelle Rav Attali, mais moi, je ne le connais même pas. Il me dit, j'ai entendu que vous vous construisez. Je dis, oui, avec l'aide de Dieu, oui. Il me dit, Rav Attali, est-ce que je peux vous donner 1 million de shekels ? Et là, je ne sais pas, je vais exploser en pleurs, là. Je me pince pour voir si je rêve ou je rêve pas. Je dis, mais bien sûr, 1 million de shekels. Oui, moi j'en ai besoin, dans ma tâche, j'ai 350 000. Le reste, il va aider pour faire les fondations. C'est juste ce qu'il faut, c'est juste ce qu'il faut. Et je saute en l'air, je dis, pas au Hachem. Et dit, Yohan Avi, ton Daraba, Hachem, il va, tu m'as envoyé, Yohan Avi, c'est Yohan Avi. Alors, je lui dis, alors il me dit, oui, d'accord, mais c'est dans un mois. J'ai dit, non. Pas dans un mois, c'est maintenant que j'ai besoin. Ah non, c'est pas maintenant, c'est dans un mois, je vous dis. Je vous en supplie. Monsieur, je ne sais pas comment vous appelez, mais j'en ai besoin maintenant. Il me dit non, impossible. Ce que je vous donne, c'est dans un mois. Vous avez compris? Et c'est tout. Et là, je me tourne vers Hachem, je dis, mais Hachem, il para. Tu m'envoies, il y a un avis, et c'est pour dans un mois. Mais dans un mois, ça ne sert plus à rien. C'est maintenant que j'en ai besoin. Si dans 4 jours, je n'ai pas payé, ça ne sert plus à rien. Dans un mois, 1 million, 2 millions, qu'est-ce que je vais faire avec? Surtout que c'est un terrain à Jérusalem. Ça n'a pas de prix, un terrain à Jérusalem. Bien que le terrain, peut-être qu'il coûte 2 millions, 3 millions de shekalim. Et je me tourne. Je dis, monsieur, je ne sais pas, vous êtes élu à Navi, je ne sais pas. Mais comprenez, votre million, il ne me sert à rien dans un mois. Si j'ai pas 350 000 shekels maintenant, ça sert à rien. Et là, il me dit... Et les enfants, ils sont en bas de l'école en train de voir la scène avec le rav, le professeur. Il me dit, 350 000 shekels ? Ah, mais il n'y a pas de problème, ça, je les donne tout de suite. Ah là là, mais le reste, c'est dans un mois, je ne pourrai pas après. J'ai dit... Tout de suite, bien sûr. Viens à la maison, je te fais le chèque dans 1 heure. Tu sais quoi? Je saute en l'air, j'ai une laisse. Il y a de la vie. Hachem, tout d'arabe, Hachem, Hachem. Et puis, je veux l'embrasser, ce monsieur-là. Mais comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Il me dit, moi, je m'appelle Yehuda Raz. Yehuda Raz. Je ne sais pas, peut-être vous êtes dit mon avis. Je sais comment vous êtes arrivé au moment où c'était la fin pour moi. Pour moi, pour les enfants, pour toute la communauté, pour Jérusalem. Vous comprenez? Et vous êtes arrivé d'une façon miraculeuse. Mais je vais vous embrasser. Au moins la main. Mais non, il n'y a pas besoin. Et d'un seul coup, j'entends les enfants qui disent « Nes, miracle! Miracle, je vous dis sincèrement, c'est le miracle de Hanouka, c'est le miracle !» Voilà, Bechasda Hashem. Et c'est comme ça qu'on a commencé à construire le centre. Avec 350 000 shekels. Alors je lance les fondations. Je dis aux kablan, aux constructeurs, vous inquiétez pas. 700 000 shekels, c'est rien du tout. J'ai 650 000 qui arrivent dans 3 semaines. Un mois, un maximum un mois. D'accord. Il fait les fondations. Il commence à construire. Et là, au bout d'un mois, moi, je suis en Amérique. J'envoie mon fils aller chercher le reste, les 650 000. Et puis d'un seul coup, ce monsieur-là, il me dit « Mais 650 000 à vous donner ? Mais non, je ne veux pas vous donner. Et puis je ne sais pas pourquoi j'ai donné 350 000. Je ne sais pas. Si vous pouvez me les rendre, rendez-moi-les. » Ah non, monsieur, mais mon papa, il a déjà payé avec. Il n'a pas.
Mais en plus, il doit payer les fondations. Il compte sur vous 650 000. Ah non, non, je vous dis sincèrement, je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là. Je ne donne pas. Il n'est pas question. Alors à ce moment-là, mon fils, il me dit, Gérard, regarde, je t'en supplie. Va faire un prêt à la banque. Il faut payer maintenant pour les fondations, au moins commencer à payer. Alors à ce moment-là, je fais un prêt, moi, de 50 000 shekels, 12 000 euros. Mon fils, il a fait 12 000 euros. Ma fille, elle a fait 12 000 euros. Et puis, on a démarré comme ça. Et HM, doucement, doucement, il nous a fait avancer. Maintenant, on est déjà au troisième étage. Aïe, merci, Yohanavi. Écoutez bien. On n'a pas le droit de désespérer. C'est vrai qu'on arrive très souvent devant un mur. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. La santé, la parnassa. Mais la prière, on est béni Israël, on est des juifs, nous. Il faut prier de tout son corps, de tout son cœur. Et la prière des enfants. Bémet, la prière des enfants. Si vous voulez, contactez-moi. Mais demandez aux enfants de prier, vos enfants. Ça monte au ciel. Eliaou, Eliaou Anavi, Eliaou Atishbi, Eliaou Akidati. Merci mon Dieu, on n'est jamais seul.